Au sommaire du petit journal, la maxi avalanche. Une mini méga avalanche, mais des maxi sensations. C'est Guignol avec son chapeau noir et son bâton. La célèbre marionnette s'invite tout l'été sur le parvis de la patinoire. Ils étaient bien au rendez-vous de la maxi avalanche, les grands noms du VTT. Pour tous, c'était la première course post-Covid, une reprise attendue et une joie non dissimulée. Déjà en temps normal, ça fait toujours du bien, on est toujours content de revenir à Alpe d'Huez pour cette course. Et puis là, elle se faisait vraiment attendre, première course de la saison, un peu reculée, et puis premier événement, donc tout le monde est chaud bouillant et content là. La Maxi Avalanche, un format réduit de l'habituel Méga Avalanche, mais elle reste une courte Mastar toujours aussi impressionnante. Quand même l'esprit qui est là, une Mastar c'est toujours prenant, c'est stressant, et voilà, on est toujours dans notre bulle, tu le retrouves nulle part ailleurs. Et même si c'est pas une méga, il y a un plateau de dingue, donc je pense qu'on n'aura pas le choix d'être à fond du début à la fin. On est tous contents, les concurrents apprécient que l'Alpe d'Huez et nous se soient engagés pour concrétiser cette opération de compensation, mais qui s'avère être une véritable course, les conditions sont idéales. On est servi par la météo, on est servi par le terrain, tout est parfait. Au jeu du chat et de la souris, c'est le deux fois vice-champion du monde Damien Auton qui rafle la mise. Le Catalan qui a remporté deux fois la méga avalanche s'impose une troisième fois à l'Alpe d'Huez. En fait, la méga, c'est une course déjà que tout le monde rêve de gagner, mais c'est une course aussi très dangereuse parce qu'on part en Mastar. Fait que tous les coureurs qui jouent le championnat du monde, ils font souvent l'impasse sur cette course parce qu'ils ont peur de se blesser ou de casser du matériel. Et là, cette année, vu qu'on n'a pas de championnat, le plateau était relevé et du coup, pas mal de coureurs avaient fait le déplacement. Donc, je suis de plus satisfait d'avoir gagné devant des bons coureurs. On avait hâte de courir, hein. En tant qu'athlète, quand tu es confiné à la maison, c'est plus que dur. On n'était pas sûr que cette méga ait lieu, ils ont réussi à la reporter. Et pour ça, merci à l'Alpe d'Huez et à UCC de nous avoir fait rêver parce qu'on s'est régalé. Star du répertoire classique français, Guignol et ses compères se sont installés à l'Alpe d'Huez pour le plaisir des petits et des grands. Créé par Laurent Mourguet il y a plus de 200 ans, le succès de cette célèbre marionnette lyonnaise semble intemporel. Mesdemoiselles, messieurs, nous allons avoir l'honneur et la joie de vous présenter sans doute l'une des pièces les plus connues du vrai répertoire de Guignol, à savoir la fourberie d'Escarpin. La compagnie sociale Palace réinterprète deux des plus anciens scénarios de Guignol, les couverts volés et le pot de confiture. L'intérêt de ces anciens scénarios, c'est que finalement, ils étaient écrits de telle sorte qu'ils interrogent des fondamentaux de l'enfance. La gourmandise, la frustration et l'injustice. Tradition et innovation se mêlent pour donner un nouveau souffle aux marionnettes. Les marionnettes sont des marionnettes à gaines qui ont été sculptées dans la tradition, c'est-à-dire dans du tilleul. Juste derrière moi, il y a un castelet que nous avons à la fois rendu traditionnel et réinventé, puisqu'il présente plusieurs plans et que surtout dans le spectacle, les marionnettistes passent devant le castelet. Écoutez la terrible aventure qui a failli me jeter en prison jusqu'à la fin de mes jours. Pour moi, en tout cas, ce qui changeait le plus, c'était vraiment de transférer les émotions au bout de notre main à notre marionnette. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était le plus compliqué. Quand on est petit, quand on est vraiment petit, on ne fait pas encore la distinction entre l'être vivant et l'objet inanimé. Donc en fait, quand ils viennent derrière et qu'ils découvrent et qu'on leur montre, ça fait une surprise en fait, je pense. Moi, j'avais peur des marionnettes quand j'étais petite, mais vraiment très peur, donc je comprends.